Alors, un ennemi. Ça fait déjà presque 2 heures que je suis sur le jeu, j'ai pas vu le temps passer du tout jusqu'à maintenant. J'ai envie d'aller voir par là. Pour info, je suis aussi vieux que toi, Tox. Tu connais mon âge? Comment ça se fait? T'as suivi un let's play dans lequel je le dis, c'est ça? J'adore cette musique. Votre Majesté, par ici, je vous prie. Non, c'est pas mon genre, Tidros. Maîtriser toutes les magies sur tous les persos, pas forcément, non. J'ai vu un paquet de tes vidéos. Ah, c'est que t'aimes un peu les RPG, je pense. C'est ce à quoi je pensais en fait, Lod. Dès que je vais débloquer une attaque de Jujitsu de zone, ça va être la folie, quoi. Avez-vous parlé à Banon? Non, je voulais vider tous les coffres avant. Ils me connaissent pas encore, les pauvres. Je peux vous aider? Bah oui, tu peux nous aider carrément. Mais je vais en prendre une de ça. Évidemment. Ça, c'est la base. D'ailleurs, j'ai un truc à mettre à Sabine. Parfait, ça. Ça tombe carrément à pic, hein. Ouais, mais surtout ta façon de nous les faire vivre, merci. Bah, avec grand plaisir, merci à toi. De mémoire sur l'original, on pouvait utiliser n'importe quelle technique tant qu'on connaissait les manips, c'est toujours le cas? Ah, je me souvenais pas de ça, je t'avoue. L'Empire ne devinera jamais l'emplacement de notre repère. Pose-toi. Je me doutais qu'il y avait un truc ici. Non, vraiment, c'est une très bonne version, hein. J'ai rien contre la version Steam, mais celle-ci a des petites améliorations qui sont franchement sympas. La minimap... comment dire... Enfin, de manière générale, il y a davantage d'ergonomie, en fait. Banon, voici la jeune fille dont nous vous avions parlé. Alors, c'est à elle que la chimère a réagi. La chimère? Il semble que l'Empire contrôlait son esprit. Oui, j'avais reçu un message à ce sujet par Pigeon Voyageur. On raconte aussi qu'elle a calciné 50 soldats de l'Empire en quelques minutes. Non, je... Terra, ne soyez pas cruel, Banon. Elle ne se souvient de rien. Elle ne peut pas échapper à la vérité. Laissez-moi vous raconter une histoire. Vous l'avez sans doute déjà entendue.
Il y a de cela bien longtemps, quand l'homme était encore pur et innocent, il existait une boîte qu'il était interdit d'ouvrir. Un jour pourtant, quelqu'un ouvrit la boîte et libéra ainsi tous les grands fléaux du monde. L'orgueil, l'envie, l'avarice, la colère. Au fond de la boîte, il ne resta plus qu'un seul rayon de lumière, l'espoir. Quoi qu'il arrive, sache que tes pouvoirs sont un don du ciel et non une malédiction. Tu es notre rayon de lumière, le dernier espoir de ce monde. Bannon. La fatigue m'accable, laissez-moi aller me reposer. La fameuse boîte. Je me souviens d'un suplex sur Doom Train. Je m'en souviens très bien de ça. Je vais essayer de le placer. J'ai perdu quelqu'un qui m'était cher à cause de l'Empire. Depuis, je le déteste. Si nous laissons ces soldats agir à leur guise, d'autres gens souffriront. C'est pour cette raison que j'ai rejoint la Résistance. Moi, je n'ai pas d'être cher. Je n'ai pas de famille, pas d'amis. Ne dis pas ça. Il doit y avoir des gens quelque part qui tiennent beaucoup à toi. Nous devons aussi nous battre pour eux. J'ai perdu quelqu'un qui m'était cher. Ok. Dague éolienne. Un petit code d'honneur. Dommage, j'en ai acheté un. C'est pas grave. C'est peut-être un des meilleurs OST de tout RPG confondu. Parce qu'en fait, il n'y a pas un titre à jeter à la poubelle. Ou en tout cas, pas beaucoup. Je ne sais pas quoi te dire, mais j'ai totalement confiance en mon frère. Depuis notre naissance, il s'est toujours soucié de moi. Tu peux te fier à lui, toi aussi. Mais ne va pas lui dire tout ce que je t'ai raconté. Ce serait embarrassant. Laurentin, tu me dis quoi? Hein? Faut lui répondre non à chaque fois au chef de la résistance. Je sais que nous demandons beaucoup de toi. Si nous te forcions à nous aider, nous ne ferions qu'agir comme le fait l'Empire. C'est pourquoi nous voulons que tu prennes toi-même une décision. Bonne nuit, Mona. Alors, il est où le CEF? Oh, mais je vois un truc très intéressant là-bas. Avec mes yeux de voleur. Où est-ce qu'il est le passage? Tiens. Cape blanche. Défense, défense magique, parade magique. Allez, zou. Bon, c'est sûr, ça dévoile un petit peu les passages secrets, mais bon. Faut quand même garder un œil, quoi. Ça marche, Flo, merci. Où est-ce qu'il est parti se coucher, l'autre? Faut peut-être que j'aille faire un dodo, justement. Bannon, il vient tout juste de sortir. As-tu pris ta décision? Seras-tu notre rayon d'espoir? Non. Non, je gomme rarement des bourdes au montage. Genre les game over, je les laisse et tout. Je suis pas comme ça. Parce que de toute façon, j'aime pas particulièrement faire du montage.
Je ne peux vraiment pas te persuader d'accepter. C'était 3 fois. L'espoir, comment pourrais-je être à la hauteur d'une telle responsabilité? Qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? Ses blessures sont graves. Figaro Sud. L'Empire envahit Figaro Sud. Des soldats se dirigent par ici. Ils nous ont trouvés. Il n'y a pas de temps à perdre. Ok. Quelqu'un doit s'infiltrer dans Figaro Sud et faire obstacle à l'ennemi. Tu pourras profiter de tes talents particuliers. Nous comptons sur toi. Terra, sois prudente pendant mon absence. Et surtout, prends garde à un certain roi libertin. Loki. Edgar, les mauvaises habitudes ont la vie dure, on dirait. Qu'allons-nous faire? Nous pourrions descendre le Léthé et nous rendre à Narche. La chimère qui a été découverte dans la mine m'intrigue. Entendu, nous préparons un radeau près de la sortie secrète. C'est dangereux, mais nous n'avons pas le choix. Cet endroit n'est plus sûr. Viens avec nous à Narche. Ce pourrait être l'occasion d'en apprendre plus sur tes pouvoirs. Ce n'est pas le moment de tergiverser. Allons à Narche. Je comprends que vous puissiez avoir des doutes. Cependant, tant de gens perdent la vie à cause de l'Empire alors que nous restons là sans rien faire. Aidez-nous à combattre. Cet accessoire vous protégera. Un gant de Genji. Il est vrai, il nous laisse voir toutes ces conneries, même en VOD. En VOD sur YouTube. Ouais, effectivement. Non mais vraiment, en fait, quand je fais des lives, ça me saoule de faire du montage, hein, je vais pas vous mentir. Le seul truc que je fais, en fait, c'est que je découpe les épisodes en chapitres. Parce que, à titre personnel, j'ai horreur de regarder une vidéo qui dure 3 ou 4 heures. Ça me décourage d'office, en fait. Attends, ça permet de porter 2 armes, tu dis ? Effectivement. Ah mais c'était pas pour lui. C'est pas lui l'idéal. Je suis en train de me tromper de perso là. Bon, en même temps ils sont... Ah mais j'ai pas d'autres griffes par contre. Peut-être que j'attends un petit peu avant de lui mettre. Du coup on va mettre à son frère peut-être avant. Sabine, il peut pas mettre de bouclier. C'est vrai. Par contre, l'autre, il s'est tiré avec mes objets, là, Loki, là. Rends l'argent, mon pote. Non, tu me conseilles de laisser ça à Sabine. Bon. C'est vrai que sans son bouclier, lui, ça va pas être fou, hein. Bon, de toute façon, je vais vite en trouver une autre d'arme. Voilà, ce radeau nous transportera jusqu'à Narche. Protégez Bannon à tout prix. S'il périt avant d'atteindre Narche, tout est perdu. Bah... protégeons-le alors. Moi, ma séquence préférée, je pense que c'est celle du train, quand même. Hein. Ouais, je me doute que Vargas avait une bonne arme. Putain! Ok. J'ai fait une connerie ou...
Je me suis balancé un sort ou c'était l'ennemi qui m'a balancé un truc là? J'ai pas fait attention en fait. Donc je disais, Nanatoru, ouais, je pense qu'il avait une bonne arme à voler, mais... Attends, je regarde quand même l'écran. Mais j'ai pas réussi en fait, le combat s'arrêtait avant. Mais en fait, il a pris trop cher avec le sort, plus qu'il a 2 points de vie. Attention, on spoil pas Florentin. Je sais pas trop par où faut aller. C'est ça qui m'a buté tout à l'heure. Mais il est nul! Il a pas assez de points de vie, comment je peux l'empêcher de crever? Salut Cray! Merci. En fait, si les dragons là ils font une boule de feu, c'est mort. C'est mort et enterré même. Bon, il y a sûrement des objets dans la zone, mais je saurais pas m'en souvenir de toute façon. Ah, j'ai loupé une touche. Je suis allé trop vite. Il y a vraiment des petits détails magnifiques, je suis séduit. Ouais, il est assez cool, hein, franchement. Pour 15 balles, ça les vaut. Même pas en ce moment, en plus. Je crois qu'il est à... Il doit être à 12, là. Ce qui est embêtant par contre, c'est que là je peux pas utiliser d'objet. Là, faut que je me trace de les fumer. Mince! J'ai appuyé encore trop vite. Non, non, c'est pas possible. Ouf! Il a pris un peu moins cher, je sais pas pourquoi. Je vais pas m'en plaindre. Ah oui, parce qu'il a pris un niveau. Là, c'est bon, il a pris un level cette fois. Il va survivre.
Faut que je le soigne, pardon. C'est fou quand même, le gars, il intègre l'équipe. Il a pas assez de points de vie pour survivre à une attaque, quoi. T'étais pas là pour la musique d'intro, Cray. Faut que tu la réécoutes. Elle est exceptionnelle dans cette version. J'appuie trop vite. Ça, je vais le garder. Ouais, je sais bien qu'on le joue que pour ce moment. Malgré tout, il intègre l'équipe sans avoir assez de points de vie. Elle sera dans la rediff carrément, la musique d'intro Sun Notches. Fasse gaffe avec les jujitsu là, parce que à chaque fois j'appuie sur une touche dès que je démarre le machin. Bon là j'ai du bol, c'est la bonne touche, mais ça sera pas toujours le cas. Ça c'est cool parce que même s'il est blind, ça passe quand même. Mort du poison. Ah non, pas ceux-là. Il est pas beau là. Tu peux fuir d'ailleurs? Je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'il me semble qu'on peut le faire sur le train. Ouais, moi aussi j'aimerais bien vite voir les autres commandes de Jujitsu. Lui, je vais vite le fumer. Bon, ça va, là il est un peu plus safe, il a 192 points de vie max. Il y a moins de risques. On va peut-être commencer à lui soigner son blind à l'autre. J'ai pas fait un tour de manège gratuit là. Je crois que si, hein. Il me semblait bien, je me suis dit, putain, mais j'ai déjà vu ce décor.
J'adore. Ah, j'ai appuyé. Code d'honneur sur tous les persos à part Banane est une bonne strat. Oui et non. Je sais pas si t'as vu ce qui s'est passé, Nanatoro, mais il s'est fait OS en fait. Donc code d'honneur, ça sert à rien s'il se fait OS. Ce qui est bien avec les Jujitsu, c'est que je vais connaître la manette Xbox par cœur. Enfin, je vais savoir faire la traduction sur ma manette PS4 en fait. Ouais, il y a beaucoup de combats aléatoires, mais ils sont assez rapides. Bon, peut-être pas autant qu'un Dragon Quest, mais ça va. Quoique. C'est parce qu'on n'a pas encore les attaques de zone pour le Jujitsu. Sinon ça va aller très très vite encore. J'adore faire ça du rond-point. C'est important de s'entraîner sur les ronds-points, les Français savent pas les prendre. C'est bien connu. On y est. Enfin, une étape supplémentaire. Ah, c'était une recharge. En fait, le personnage va trop vite avec les bottes de vitesse là. Exactement, ça fait de l'XP et des sous, c'est bon à prendre, surtout les sous. On n'en a jamais assez. Quand on passe un niveau, quand même, les ups sont significatifs, hein. Que ce soit en nombre de points de vie ou même PM, ça monte pas mal. Hein. Genre, elle avait 60 PM au début du jeu, je crois peut-être même moins. Elle en a le double maintenant, Terra. Loupé. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un boss! Vous voilà dans le pétrin! Quelle méchante pieuvre je suis! Oui, tu es Perside! Oui, à ça non! Pas de pieuvre! Frites au menu! Bute-le, s'il te plaît, il m'a tellement traumatisé, lui. Le monstre est trop bien fait, en tout cas. Le sprite est juste génial.
Un morceau de roi. Viens là que je t'enlace, ma jolie. Oui, aïe, aïe. Il fait des apparitions dans FF14? Ah ouais? Sympa. En fait, la prière, je devrais la garder. Là, je suis en train de la balancer. Et je devrais juste changer de perso. Ce serait plus judicieux. Plouf. On dirait qu'il a compris. Je n'en suis pas si sûr. Il attend peut-être le moment propice pour remonter à la surface. Hein? Ma jambe? Terra, attention! Nous devrions pouvoir continuer. Assez plaisanté. Je vais lui donner le coup de grâce avec une technique de jujitsu. Non, Sabine. N'essaie pas de m'arrêter, Edgar. Il a toujours été comme ça. Sabine. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. En êtes-vous sûr, Bannon? Vous êtes son frère. Vous devriez le connaître mieux que quiconque. Vous verrez, il nous rejoindra en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Waouh! Il a toujours eu un trop-plein d'énergie. Sabine! Sabine, bonne chance! Sabine! L'autre, il est en PLS.